Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle séance du programme 67 minutes chrono, une séance spéciale cuisses, abdos, fessiers. Voici les trois exercices de notre séance. Premier exercice, squat large. Sur le premier exercice, vous pouvez le faire avec un poids ou sans poids. C'est vous qui choisissez. Donc les pieds très très larges, on écarte bien les jambes, les orteils à l'extérieur, le buste bien droit. Si on tient un poids, eh bien, on le maintient ici devant. On fléchit les jambes et on se redresse. On descend bien et on dirige la rotule vers les orteils. Ça, c'est vraiment important. Essayez de ne pas porter les genoux vers l'intérieur. On porte bien les genoux à l'extérieur. On fléchit les jambes et on se redresse. Le buste bien droit. Là. Deuxième exercice, montée de bassin. On vient se placer sur le dos, en appui ici sur les talons. Donc on vient décoller les orteils. Les bras le long du corps, on serre le ventre, donc on resserre la taille à 30%, on aspire le nombril vers la colonne. À peu près ici, un écart d'un point entre le menton et la poitrine. En fait, souvent pas trop dégager la tête vers l'arrière. On garde bien le haut du dos en contact avec le sol. On va juste décoller le bassin et le bas du dos. Là, on monte et on revient. On monte. Et on revient. Donc faites attention, la partie haut du dos, c'est-à-dire les omoplates, sont toujours en contact avec le sol. Contractez bien les fessiers, donc les pieds, l'écartement des pieds, largeur des hanches, hein, pas plus. On monte et on descend complètement les fesses au sol. N'oubliez pas le gainage au niveau de la taille. On serre les abdominaux, on maintient le gainage, on monte. On monte et on aligne genoux, bassin, épaules sur la même ligne. Troisième exercice, notre exercice pour les abdominaux. On vient se mettre en position assise, on attrape un poids. Si vous n'avez pas de poids pour commencer, vous pouvez très bien prendre un livre ou une bouteille d'eau. Hop, on décolle les pieds du sol. Le poids est à peu près situé au niveau de la poitrine. On allonge une jambe. On pivote le buste du côté de la jambe tendue et on alterne droite et gauche. Donc on fléchit une jambe, on pivote le buste de l'autre côté. Hop, et on peut venir toucher le poids au sol à chaque fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on a 7 squats, 7 montées de bassin et 7 twists. Un entraînement, bien sûr, comme d'habitude, de 7 minutes. J'espère que vous êtes en forme pour cette séance. Moi, je le suis. Je vous attends tout de suite dans la prochaine vidéo. On commence par un petit échauffement, on fait des exercices ensemble et on attaque le corps de la séance. A tout de suite.